Servi bon Dieu, me l'a dit. Servi bon, servi bon Dieu. Vous devez faire tout ça, ouais. Nous n'avons fait dans l'église là. Mais pendant que vous n'avez pas la volonté, mon Dieu. Ouais, pendant que je prêche là, pendant que je enseigne, je servi mon Dieu. Adorateur joue un rôle de service là, je servi mon Dieu. Vous avez un frère, vous avez servi mon Dieu. Vous avez sauté dans le corps là, vous avez servi mon Dieu. Tenez bien. Ou faire un cadeau ou observer mon Dieu. Ou sauter dans le groupe de nom ou observer mon Dieu. Mais est-ce que vous suivre mon Dieu? Ça n'est pas le plus gros problème dans ces suivre là. Parce que là vous suivre, il y a un monde de l'église là. Très quand elle met pied, c'est l'ordre de mettre. Ou qu'elle observe pendant que vous sont rebelles. Si vous redis son dia ou pas servi pendant que vous sont rebelles, c'est pas deux monde qui sont dans la chorale qui prennent le boulet dans l'enfer, c'est pas deux adorateurs qui prennent le boulet dans l'enfer, c'est pas deux prédicateurs qui prennent le boulet dans l'enfer, parce que ils prétendent c'est ça leur faire qui a sauvé, mais pendant que la vie n'est pas propre dans Jésus Christ. Est-ce qu'on suit Jésus? Alors, est-ce qu'on suit le livre? Ou à sauter le poil et puis le petit bagage qui te font révolter ou pas le monde. Vous à sauter ou à prêcher ou à adorer le petit bagage qui te font orgueiller. Jésus dit qui, mais ça le dit. Moi-même, t'as bien, je vais dans le ciel, je vais compter pour me reposer. Mais moi-même, nous nous avons dans la chambre pour me mettre témoin. Est-ce que d'accord? Tout côté Jésus passait pour passer d'elle. Ça qui arrive, vous voulez suivre Jésus pour qu'il guérisse. Mais pas quelque monde, c'est maladie qui fait un converti. Son visage a besoin qui fait un repenti. Vous connaissez depuis qu'il y a une crise, vous avez un visage, depuis qu'il y a un visage, tout le monde est fini. Et que nous sommes maladies pour servir l'église. Automatiquement, guérir, les plier si bon Dieu est bon. Maintenant, ce qui ça suivre là, vle dit, suivre Jésus-Christ, vle dit, obéir et accepter commandement Dieu. Suivre tout commandement Dieu. Et la Bible dit, mes chers amis, dans 1 Samuel chapitre 15, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien le sacrifice soit fait, mais d'accord pour obéir avec la parole de Dieu. Après, il faut connaître ce sacrifice ou la vie de l'église, c'est ça qui est important. Ça qui est important, rester dans la volonté de Dieu. Bon? Ou pas vivre avec chaque jour, Père Dieu. Ou pas la prière chaque jour, ou pas dans la volonté, mon Dieu. Et je me souviens, mon serviteur, tu dis ça là. Tu es quelle la vie pour moi? Si mon Dieu, nous devons prendre la vie pour moi, est-ce que je suis dans la volonté, mon Dieu? Ou pas faire tout ça, on fait pendant que, ou pas sujet. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parole ça t'est si tellement fort. Le Jésus-Christ t'est déclaré de une parole ça. C'est un bagage extraordinaire. Parce que nous nous faisons penser automatiquement. Ah, Jésus dit. Lui dit Jésus, m'a suivi. Et puis Jésus a dit, venez, venez, venez. Frère, vous comprenez ça qui fait suivre la difficile, c'est parce que suivre la bonne condition là-dedans. Est-ce que les visages comprennent ça me dire? Condition pour suivre Jésus. Sous pour nous pas qu'à être un seul madame ou pas qu'à suivre Jésus. Sous pour nous pas qu'à être un seul mari, un seul fiancé ou pas qu'à suivre Jésus. Parce qu'en pile fois, n'a couru des intérêts. Je vois que côté pour poser, mais moi-même pas côté parce que tout côté me passe. Arrêter parce que mon mission sur la vie faut les accomplir. Combien moun la qui croit mon mission sur la ville? Combien moun la qui croit mon mission sur la ville? Et mission de l'église c'est ciel lié. Combien moun qui croit dans le ciel? Parole qui étonne mon texte là. C'est 62 ans. En plus, il faut nous répéter, certes.
Mais est-ce qu'il comprend? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas pour au royaume de Dieu. Est-ce que vous suivez Jésus-Christ? Question ça personnelle. Parce qu'on a souvent dit le salut est personnel. Pour suivre Jésus-Christ, il y a un sous-thème. En d'autres thèmes, ça. Pour suivre Jésus-Christ, il y a une condition. Tenez bien, tellement dit le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Mes chers amis, le pas facile long pour suivre Jésus-Christ. Pour suivre lui, ou qu'on peut pour payer. Voilà, le salut gratis, mais suivre Jésus-Christ pas gratis. Est-ce qu'elle comprend ça, dit à l'église? Salut, elle dit gratis, c'est un don gratuit. Mais suivre Jésus-Christ pas gratis. Ou qu'on prie pour payer, ou qu'on force, ou qu'on pour forcer, ou qu'on pour bataille. Et ça fait apporter les gens pour dire que ça, ce sont les violents qui sont là. C'est le prix à payer. Le prix à payer, c'est que pendant ma suivre Jésus, ma vie ne parle même pas. Et premier bagage, Jésus te joue sur le lit, nos patrons ministériels. C'est là que tu as fait une chasse aux démons. Et puis il y a des comme face, il y a des belles épouses qui sont là. Son démon sur lui. Mettre la vie, oui. Qui ça, Jésus te dit? Très sage. Et c'est que la Bible dit dans Luc chapitre 1, 2. Lui dit Jésus-Christ grandissait en sagesse. Premier bagage, le chrétien besoin pour qu'à suivre Jésus-Christ, c'est la sagesse. Dis sagesse au nom de Jésus. Jésus parle pour un homme très, très doux et très sage. Le roi de la sagesse, il faut doux. Jésus dit, mais pas aucun de mon sous-moi, non? Tu n'as pas dit, moi, je dis, gros mot, tu n'as pas dit. Jésus, moi, je n'ai aucun de mon sous-moi. Il dit, non, au contraire, si tu